Après ça. C'est l'actu de Fusil Mactu. Bon. Fusil. Toujours toc caché. Ça y est, la sortie tant attendue des mesures semble se préciser dans beaucoup de pays, même les plus touchés par la pandémie. Si cet adoucissement semble être une bénédiction pour l'économie, nombreuses sont les voix qui s'élèvent, dont celle de l'OMS, pour mettre en garde les gouvernements contre un déconfinement trop rapide, alors que les courbes commencent à peine à s'aplanir. Un duel toujours très tendu entre la santé et le pognon, qui pose de grandes questions éthiques auxquelles nous allons tenter de répondre avec le poète et chansonnier vaudois, Fusil Mactu. Salut Fusil! Ah ouais, oh, Fusil, à la crise, à la pandémie, à les petits lapins, ouais, oh, Fusil Mactu, à déconfinement, ah ouais, oh, ma mère, en fait, ah ouais. Tu te fous de ma gueule, dis donc. Ici, en direct de la police municipale, je me suis fait voler mon hydravion, bon. Oh, ça gare ici au Val d'Anivier, ici dans une somptueuse clairière. Je tout ce matin pour promener mon toucan, je garde plus d'hydravion. Bon, quelqu'un me l'aura dérobé, sans doute folasson, mon équipementier sportif. L'autre jour, c'est ici chez moi, il s'éteint de donner mes cours de mini-golf par correspondance. Tout coup, c'est de mes élèves qui lèvent la main, me dit « Fusil, Fusil, il y a Francisco qui a mis du pain sur ma chaise. » J'ai dit mais après Francisco, c'est fini. Ça fait 11 fois que vous mettez du pain sur la chaise de Zamfir. Tu fous le cas, je veux plus de voir, tu me fais deux verbes. Il part vociférer, je sais pas quoi, qui va venger son père. Je tourne pour m'asseoir, qu'est-ce que je trouve sur ma chaise? Une tresse. Très sympa. Toi bien. Fabuleux. Bon, alors, Fusil, tu te réjouis de sortir du déconfinement, du confinement? Bah, ouais. Confinement. Mais je passe au gourde, il a 13 ans. C'est une expression. Oui. Non, mais que je me réjouisse de quoi, de qui, de tourner à Ouchi? Bon, je connais. Y'a que des bateaux et des Roumains. Dernière fois que je me suis rendu, on m'a volé mon almanach. Je suis pas pressé d'y refaire un tour. À présent, on est resté confiné un mois, ça va aller. Les hommes attendent un mois de Vaucluse, ont rien à foutre, à pas sucer des cailloux, sont tout contents. Des fois, moi, à maison, ils deviennent sinoc. Laissez-nous sortir, peut plus respirer. Sa majesté des mouches et tout. Ils ont déjà oublié la maladie, ils peuvent plus qu'aller à Disney, l'équipe. Disney, c'est Susanne qui Disney, nut, poil à la flûte. Moi, je dis non, je veux pas y aller, un poil, c'est tout, super balou. Ah, moi, chez soi, ça va aller. Faire quelques pas dans son espace de danse. Du bricolage et des gâteaux, c'est pas Sing Sing non plus. Ça se voit que les gens ici n'ont pas connu la prison. C'est-à-dire, parce que toi, t'as connu la prison, peut-être? Tout à fait. Voyez-vous, ici, en 1900... J'étais ici le patron d'un très très grand casino ici à Las Vegas, dans le canton de Nevada et sa Californie. Un casino si grand que nous l'avions appelé le géant casino. Comme tous les tripots en ce temps-là, le géant casino était le théâtre d'histoire bien sordide que j'ai réglé en coulisses avec des méthodes qui, ma foi, m'appartenaient. Avec mon bras droit, un gangster italien de Mulhouse, répondant au nom de Canto del Cucu Ndiaye, dit Johnny Confiture, nous avions pour habitude d'emmener les tricheurs dans le désert adjacent au casino pour leur infliger un traitement dont ils se souviendraient longtemps. Avec ses deux puissantes paluches, Johnny Confiture saisissait l'avant-bras des filous et tirait leur peau dans un sens de la main gauche pour tirer la peau dans l'autre sens de la main droite. La sensation de pincement très désagréable, doublée du fait que je leur envoyais un regard très méchant, nous assurait de ne jamais les revoir dans notre établissement et fit rapidement de moi l'homme le plus puissant d'Hollywood, au dépens de mon ennemi juré. Jean-Claude Narcy. Ouais. Et la prison, du coup, Perpétuité.
Ok, bon, bah, si on réouvre aussi vite, hein, pour revenir au sujet, c'est aussi relancer l'économie. Tu crois pas que si l'économie se casse la gueule, ce sera pire pour beaucoup Pipou beaucoup Pipouki 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 Après ça, pas Pipou les Lions et les gens arrivent, ça c'est sûr. Pipou Nestlé et les banques, oui, mais pas Pipou moi. Moi, c'est après, c'est 1650 ans. Je préfère que l'économie se casse la pipe plutôt que mes bons amis et moi. Regardez-moi, c'est saut de l'UDC et du PLR qui sont déjà sur les statimes blocs pour tout prendre comme avant, comme si de rien n'était. Allez, renvoyer des diabétiques travailler à l'office de poste. Mais c'est criminel. Ils vont les avoir, là, un tiers de personnes plus un tiers de personnes immunisées quand il restera plus que des jeunes et des musclés. Et ça zolie l'économie quand ils vendront plus que des nits et des solariums. Mais quel... Tout cas peuvent ouvrir tout ce qu'ils veulent, moi, dressez-moi. Jusqu'au jour du tribunal, où ces gens qui ont préféré les sous à la vie d'êtres humains seront usés pour crimes contre l'humanité. Oh, quelle ambiance. Ouais. Tu restes. J'ai ici ma guitare et j'ai peut-être une chanson qui pourrait satisfaire tous ces très gentils agents de la paix en train de se décarcasser pour résoudre le mystère qui entoure le kidnapping de mon hydravion. Je vous la joue. Vas-y, Fusil. C'est vrai, pensons à autre chose un peu. Écoutons tes douces mélodies. Vas-y, c'est à toi. Alors, juste m'installer. Oula. Trois, quatre. Ils veulent réouvrir l'économie. C'est une idée, ma foi, bien logique. Mais si les gens sont encore malades, alors cette idée est très bête. Moi, je sais, moi. Si vous avez besoin de quelque chose, viens de toquer.